suis pas venu dans ce monde pour abolir la loi, mais je suis venu dans ce monde. Fils et filles du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous en ce 11e dimanche du temps ordinaire, année liturgique P, sous le thème espérer contre toute espérance, c'est-à-dire faire germer en toi le royaume des cieux. Mets en application les exigences du royaume des cieux, fils et filles du bon Dieu. Les textes liturgiques. La première lecture, Exode, Ézéchiel, autant pour moi, le chapitre 17, versets 22 à 24. Le psaume 91, 2 Corinthiens 5, 6 à 10. Puis l'évangile de Saint-Marc, le chapitre 4, versets 26 à 34. Fils et filles du bon Dieu. Les deux courtes paraboles que l'évangile de Marc nous présente aujourd'hui parlent de la croissance, aussi mystérieuse qu'irrésistible, du royaume de Dieu. Entre les semailles et la moisson, l'homme n'intervient pas. Nos efforts et nos croissances sont peu de choses au regard de l'admirable élan vital où ça atteste aux yeux du croyant l'agir même du Créateur. Fils et filles du bon Dieu, le royaume est dans grâce et silencieuse germination. Pourtant, la graine jetée en terre est appelée à produire du fruit, du blé, un arbuste. Fils et filles du bon Dieu, le règne de Dieu doit aussi devenir visible dans le quotidien de ta vie. Il faut faire advenir le règne de Dieu en toi. Fais germer le royaume de Dieu en toi, fils et filles du bon Dieu, en portant des fruits. Déjà, le prophète Ézéchiel, aujourd'hui, cité par notre première lecture, appliquant une métaphore botanique au destin du peuple d'Israël exilé à Babylone. La modeste bouture devait se développer en cèdre magnifique, fils et filles du bon Dieu. Oui, ces textes aujourd'hui nous invitent à la confiance et au courage. La germination du royaume de Dieu, c'est le travail de Dieu et de la puissance de l'Esprit Saint. L'homme n'a qu'à mettre tout en œuvre pour que ça pousse, mais sa liberté de donner et d'aimer se tourne plus souvent vers lui-même que vers les autres. On le voit dans les discours électoraux, on le voit à travers même les politiciens, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, pas au peuple. Fils et filles du bon Dieu, faisons germer le royaume des cieux aujourd'hui même. Le livre du prophète Ézéchiel nous parle déjà du Messie, symbolisé par un jeune rameau, deviendra un arbre magnifique où tous les peuples, tous les oiseaux viendront s'abriter. Tous les oiseaux viendront s'abriter, tous les peuples, c'est-à-dire tous les peuples, tous, nous sommes tous appelés pour venir s'abriter, s'abreuver. Jésus-Christ, fils et fille du bon Dieu. Dans ce texte, le cri du désespoir était celui des habitants de Jérusalem, déportés en exil, loin de chez eux. Et ils sont complètement désemparés, complètement perdus. Mais heureusement, un jeune rameau va sortir. C'est-à-dire l'espérance qui fait vivre donnera espoir à ce peuple. Le prophète Ézéchiel annonce à son peuple que rien n'est perdu. Ceux qui sont totalement brisés, Dieu les fera vivre merveilleusement. Fils et filles du bon Dieu, ce texte s'adresse à chacun de nous également. Ceux qui sont complètement perdus, qui se disent que non, je suis perdu, je ne suis plus rien. J'ai perdu ceci, je n'ai pas de projet, je n'ai pas le travail, je n'ai pas... Le Seigneur te rassure aujourd'hui, toi qui as le cœur brisé, il fera vivre, te fera vivre merveilleusement. Oui, fils et filles du bon Dieu, Ézéchiel trouve les mots justes pour redonner courage et espérance au peuple. La haine, la violence, le mal ne peuvent avoir le dernier mot, fils et filles du bon Dieu. Parce que le Seigneur est là pour toi, pour moi. C'est l'amour qui triomphera dans le quotidien de notre vie, fils et filles du bon Dieu. La deuxième lecture, la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul aime assez Jésus-Christ pour trouver sa joie à le faire connaître. Oui, sur terre et conserver dans le même temps le désir de le voir face à face, fils et filles du bon Dieu.
C'était aussi une forme d'espérance que Paul nous parle aujourd'hui. Eh bien, Jésus m'a espéré le rencontrer. Les premières années du christianisme ont été marquées par des persécutions. Voilà pourquoi Saint Paul exhorte à demeurer ferme dans la foi. C'est bon de vivre. Paul ne le conteste pas. Lui, dont l'existence a été bien remplie. C'est bon la vie avec le Christ comme ami. Ami de tous les jours, fils et fille du bon Dieu. Paul ne le niera pas. Lui, dans toute l'expérience, l'existence autant pour moi, a été une vie donnée à Jésus-Christ. Et pourtant, c'est encore meilleur la vie en plénitude, dans la vision du Christ et non plus dans le dur chemin de la foi. Il peut nous paraître étrange d'entendre Paul qualifier notre existence terrestre de vie d'exilé loin du Seigneur. Ce ne peut être que pour celui qui n'a jamais souhaité retrouver un être cher. Oui, que pour celui qui ne sait pas ce qu'est l'amitié avec Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut, comme Paul, s'efforcer de plaire au Seigneur pour se réjouir de paraître un jour à découvert devant le Seigneur. Comme l'apôtre Paul, savoir garder pleine confiance tandis que nous cheminons dans la foi, alors que nous aimerons tellement voir si notre vie plaît au Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Oui, Paul rencontre de nombreuses difficultés, mais il a la ferme certitude que la vraie vie va germer en toi, va germer en nous. Oui, Dieu réserve une surprise en chacun de nous. C'est le message de réconfort. La gloire de Dieu va se manifester en toi. La gloire de Dieu va se manifester en nous, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de Saint-Marc, le chapitre 4, versets 26 à 34, « Malgré la lenteur avec laquelle le règne de Dieu germe sur terre, Jésus est certain de la moisson. Son espérance fonde la nôtre, fils et fille du bon Dieu. » Oui, cet évangile s'adresse aux chrétiens désemparés, complètement perdus. Mais le royaume de Dieu est là, en gestation. Oui, la récolte viendra, fils et fille du bon Dieu. Toute la Bible annonce que Dieu établira un jour son règne sur terre avec puissance. Or, Jésus proclame que le règne de Dieu s'est approché des hommes. Pourtant, on ne voit rien venir, si ce n'est un petit groupe de disciples autour d'un maître contesté dans son enseignement et ses miracles par les chefs religieux de la nation. Est-ce bien cela le règne de Dieu? Jésus répond par ces deux paraboles. Une fois le grain semé, le paysan est inactif. Fils et fille du bon Dieu. Lorsque tu plantes les arachides, par exemple, ou bien le maïs, mais tu mets sous la terre et puis tu attends les pluies. Mais de temps en temps, il y a un peu de l'herbe qui arrive, tu essaies de sarcler, fils et fille du bon Dieu. Mais tu ne sais pas ce qui se passe sous terre. Après, tu as la joie pour la récolte. C'est cela également le règne de Dieu qui est au plus profond de notre cœur. Oui, en Jésus, puis dans l'Église qui continue son œuvre, Dieu fait approcher son règne qui viendra irrésistiblement au jugement dernier. Tout comme la plus petite des semences devient la plus grande des pousses du jardin, ainsi le commencement minuscule du ministère de Jésus n'en est pas moins destiné à s'épanouir dans le rassemblement universel final de tous les hommes, fils et filles du bon Dieu. Notre Dieu peut paraître absent. Mais son action est discrète et efficace, fils et filles du monde. Dieu agit encore aujourd'hui. Quand nous voyons la vie germer, fils et filles du bon Dieu, quand nous dormions, nous levions, mais Dieu est là, fils et filles du bon Dieu. Dieu est là quand le médecin soigne. Dieu est là lorsque tu fais des bonnes actions, les meilleures bonnes actions, fils et filles du bon Dieu. Dieu est là. Il nous fait faire apprendre la patience aujourd'hui et surtout la confiance dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. Il faut s'aimer dans notre vie des vraies graines, des graines d'amour, des graines de justice, de paix, de réconciliation dans notre vie. Oh, fils et filles du bon Dieu, c'est cela faire germer le règne de Dieu. Que le règne de Dieu puisse advenir en toi, en nous, d'espérer contre toute espérance et faisant germer le règne de Dieu. En nous aimant les uns les autres. Mais aimons-nous vivants et sémons l'amour, fils et filles du bon Dieu, et non la division. Sémons la joie et non la division. Sémons la joie et non la colère, fils et filles du bon Dieu.
et préparant notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jesse Tounou, le Père de la joie depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Saint-Jean de grâce et de bénédiction. Bonne fête à tous les pères, à tous les papas. Bonne fête en chacun de vous. Merci Seigneur. Je vous dis aimez l'ennemi, car tout homme sera ton frère. Soyez lumière dans la nuit, condamnez à mort la guerre. Il n'y a pas une loi plus grande que celle d'aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner, que de tout donner, que donner sa vie pour ce qu'on aime. Sa vie un beau poème. Par ta vie tu es un apôtre, celle de la terre et lumière. Aimez-vous les uns les autres, les enfants d'un même père. Il n'y a pas une loi plus grande